les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le signe des poissons pour le mois de septembre 2023. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes pour pouvoir compléter les informations de ce tirage. Alors, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Nous avons la carte du réconfort. Donc, cette carte vous parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc, pour vous les poissons, on voit que vous allez avoir envie de vous connecter à la nature, de pouvoir vous ressourcer intérieurement. Ça peut être une connexion particulière avec les arbres, le fait de recevoir leurs messages, mais aussi on voit vraiment que vous allez pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre. Nous avons aussi le chiffre 2. Donc le chiffre 2 pour vous est symbole d'un engagement, peut-être d'un contrat, d'une association qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du Gilded Rêverie Le Normand. On va voir ce qui va se passer dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons le serpent et nous avons la cigogne. Ici, on nous parle d'un changement positif par rapport à des épreuves que vous avez traversées ou aussi concernant une rivalité qui a été présente. On voit une progression, une amélioration qui va arriver. La cigogne peut aussi représenter pour vous un grand changement de vie, voire un déménagement qui va se concrétiser après des épreuves qui étaient présentes. Alors, je vais faire le tirage. Alors, je vais vérifier que le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, nous avons la carte du jardin. Donc, le jardin, pour vous, nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Mais ça appuie encore une fois cette notion de vous connecter à tout ce qui vous entoure, de vous connecter à votre environnement de vie. Il peut y avoir aussi des moments de partage, il peut y avoir une réunion avec votre entourage. Mais la carte du jardin, ça peut être aussi une célébration, un moment important que vous allez pouvoir partager avec les personnes qui vous entourent. Alors, en première énergie, nous avons la carte du cavalier. Donc, le cavalier vous indique que vous allez recevoir des nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Le cavalier, en tout cas, ce sont de nouvelles actions que vous allez pouvoir mettre en place. C'est beaucoup d'énergie qui vont pouvoir vous guider. Le cavalier nous indique aussi que les choses vont pouvoir avancer plus rapidement que prévu. Nous avons aussi la carte des chouettes. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une personne qui va venir pour communiquer avec vous, pour vous exprimer ce qu'elle ressent. Ça va être vraiment des communications très intenses, très profondes, mais où aussi, à travers ces échanges, il va y avoir une forte clairvoyance qui va être présente. Donc ce sont des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. C'est vraiment des échanges qui vont permettre d'approfondir certaines choses. Nous avons le cœur. Donc ça peut être des communications au niveau sentimental avec une personne avec qui il y a une relation très forte. Mais ça peut nous indiquer aussi des communications concernant un projet qui vous tient à cœur, concernant un projet qui est très important pour vous. On voit aussi que vous allez vous sentir guidé. Vous allez avoir beaucoup de clairvoyance dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez avoir une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité au niveau émotionnel. Nous avons aussi le livre. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne ou en tout cas approfondir certaines choses dans une relation en particulier. Et avec le livre et le cœur, on nous parle d'un apprentissage, d'une formation qui est reliée à une passion que vous avez. Ça peut être aussi le fait de vous former par vous-même, de développer un projet qui vous tient à cœur. Avec le livre, on nous parle aussi pour vous d'une révélation. Ça peut être un secret qui va vous être révélé, une information importante qui va arriver.
Nous avons aussi le LIS. Alors, le LIS et le livre nous indiquent que vous allez entreprendre des démarches. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi en lien avec une procédure, mais le LIS vous indique qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. On voit aussi que vous allez être aidé par une personne compétente. Le LIS peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, ou en tout cas d'une personne qui va vous aiguiller dans un projet. C'est une personne aussi qui va être de bons conseils, une personne justement qui va vous permettre d'y voir plus clair. Nous avons aussi les souris. Il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de nervosité par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui vous ronge, une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque. Mais avec les souris, on voit vraiment que vous avez envie de vous libérer d'un stress, vous avez envie de retrouver beaucoup plus de sérénité. Nous avons le masque. Alors ici, peut-être qu'il y a un petit peu de stress parce que il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir peut-être que vous avez traversé une situation de blocage, mais aussi avec le masque, ça peut être un désir pour vous d'y voir plus clair dans une relation ou concernant un projet. Vous avez peut-être le sentiment que l'on vous cache certaines choses, qu'il y a quelque chose dont on ne vous a pas parlé pour le moment. Nous avons le soleil, donc ici on a une situation qui va s'apaiser. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on voit vraiment que vous allez y voir plus clair. Mais surtout, avec la carte du soleil, on voit beaucoup de joie qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi une réponse positive par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Et on a aussi une réussite dans un projet en particulier. Nous avons aussi le serpent. Donc ici, on voit une transformation importante qui se met en place à l'intérieur de vous. On voit des changements que vous ressentez. Mais la carte du serpent, ça peut être une rivalité qui a été présente. En tout cas, il y a une situation qui va s'apaiser. Nous avons le monde, donc vous avez envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Avec cette carte, il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner ces obstacles. Nous avons justement les étoiles, donc on nous parle d'un apaisement, on nous parle d'une sérénité qui va arriver pour vous. On voit que vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez avoir foi dans vos projets. La carte des étoiles, c'est aussi beaucoup de rêves, beaucoup de messages que vous recevez lorsque vous dormez. Nous avons aussi pour vous la carte de l'ours. Donc l'ours et les étoiles, c'est une situation qui va s'apaiser au niveau financier. On voit vraiment que vous allez suivre votre bonne étoile pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Mais on a vraiment une situation qui s'ancre au niveau matériel. On voit aussi pour vous beaucoup de force, beaucoup de détermination dans tout ce que vous allez entreprendre. Et nous avons aussi la notion de temps. Donc on voit que le temps va jouer un rôle important pour vous. On peut vous indiquer aussi avec cette carte que le temps va jouer en votre faveur. Alors dans ce qui ressort ici, on voit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont apaiser une situation, qui vont vous apporter un grand soulagement. On a aussi une réponse positive concernant des démarches que vous avez entreprises ou que vous entreprenez aussi actuellement. On voit aussi des communications, beaucoup de clairvoyance. On vous montre ici que vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. On voit une transformation, on voit beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous actuellement qui peuvent amener un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude. On voit au niveau amoureux une relation qui va évoluer dans le temps. Une relation peut-être qui dure depuis très longtemps. On nous indique aussi qu'il y a eu des ralentissements par rapport à des non-dits qui étaient présents, par rapport à des choses cachées, mais vous allez y voir plus clair, vous allez recevoir des réponses. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Yolilune. À la coupe, nous avons la carte des commérages et nous avons la motivation. Alors ici, il y a pu y avoir justement des choses cachées, quelque chose qui n'a pas été avoué pour le moment. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir exprimer certaines choses, vous allez pouvoir exprimer vos ressentis et on vous indique aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination. On voit que vous ressentez beaucoup de motivation, vous avez envie de faire bouger les choses. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ?
Alors, on va regarder au dos du jeu. Nous avons la carte de la maison. Donc, la maison, ça représente votre foyer. Ça représente aussi des liens qui sont importants pour vous. Mais cette carte nous indique vraiment que vous allez retrouver la stabilité. Vous allez vous sentir connecté à la nature. Et on a aussi les énergies des arbres qui sont très présentes. Alors, nous avons la carte de la libération. Nous avons le combat. Nous avons la transformation, la communication, l'homme. Nous avons le brouillard, la séparation, l'amitié. Et nous avons la carte de l'argent. Donc, dans votre tirage, je ressens vraiment une personne qui revient à la communication. Après une séparation qui a eu lieu, après un éloignement, on voit qu'il y a quelque chose qui est encore flou pour le moment. Une situation un petit peu mystérieuse. Mais grâce à votre détermination, grâce à votre force intérieure, vous allez pouvoir vous libérer d'une épreuve qui était présente. On vous parle aussi d'une grande transformation, d'une grande renaissance à l'intérieur de vous. Et la carte de l'homme vous parle d'un homme, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter un homme autour de vous. On voit aussi qu'avec cette carte, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez pouvoir avancer dans vos projets. On a aussi des réponses qui arrivent pour vous au niveau financier. Il peut y avoir une rentrée d'argent, une transformation dans votre vie matérielle. Et on voit aussi qu'il y a eu un événement qui a été douloureux, un éloignement dans une relation, que ce soit au niveau amical, sentimental ou autre, la communication va revenir à vous. Donc c'est comme s'il y avait un déclic au niveau des échanges, au niveau de la communication, c'est comme si les choses allaient pouvoir évoluer. On voit aussi beaucoup de combativité, beaucoup de détermination dans vos projets. Un désir d'exprimer ce que vous ressentez en vous, de pouvoir libérer la parole. La carte du brouillard, c'est comme si justement la situation était un petit peu floue actuellement, que vous avez du mal à y voir clair, vous attendez des réponses, des éclaircissements, mais vous ressentez une transformation en vous, vous ressentez des changements qui sont en train de se mettre en place. On voit aussi que vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets. Et je ressens aussi un désir d'indépendance. Je ressens vraiment que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de suivre vos ressentis et de pouvoir vous faire confiance. La carte de l'amitié vous parle ici de moments de partage, de complicité avec une personne. C'est vraiment pour ce mois de septembre le fait de vous réunir avec une personne avec qui vous avez un lien important. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, avec cet oracle, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de la santé. On voit qu'au niveau amoureux, vous avez envie de prendre soin de vos énergies, de vivre le moment présent. Et il y a aussi des réponses au niveau spirituel qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. On voit aussi que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. La carte de la santé, c'est vraiment un désir de suivre vos ressentis, de pouvoir aussi vous libérer de blessures émotionnelles qui ont pu être présentes. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte de la gestation. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Au niveau sentimental, on voit un projet qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais on nous indique aussi une relation qui progresse, une relation qui avance, où il y a de nouvelles énergies qui sont présentes. Alors, nous avons les masques, nous avons les réseaux, nous avons les outils, la progression, la carte de la santé qui est ressortie à la coupe et la carte de la lumière. Au niveau sentimental, on a vraiment des éclaircissements. Nous avons aussi la lumière. Donc, on voit que vous vous sentez guidé. On voit qu'il y a des mises en lumière qui vont arriver pour vous. On vous indique aussi une relation qui va progresser, une relation qui va pouvoir évoluer. Et par rapport à ce lien, vous allez vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Vous allez suivre vos ressentis.
On voit aussi que vous allez pouvoir faire tomber les masques. Vous allez pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux. Et on voit aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est vraiment une relation qui va progresser où vous allez vous sentir porté par les énergies qui vont arriver à vous. On nous parle aussi de développement personnel. Au niveau sentimental, il y a vraiment un travail intérieur. On voit que vous vous libérez de blessures émotionnelles. Et surtout ici, vous avancez dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On voit aussi ces cœurs qui deviennent de plus en plus grands. Donc un amour qui grandit, des sentiments qui vont s'intensifier. Et aussi avec la lumière ici, on voit que c'est une relation où il y a énormément de bienveillance, énormément de partage, une forte connexion qui est présente. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi un message. Donc je vais utiliser l'oracle des gardiens de la lumière. Et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, vous avez le message Sérapis Bey, j'espère que ça se prononce comme ça, qui vous parle d'ascension et qui vous dit « Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. » Alors, je vais vous lire ce message qui est juste magnifique. Donc, on vous dit « Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. » Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression. Mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Donc c'est vraiment un message magnifique les amis qui vous dit que vous êtes guidé au niveau spirituel, que toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé actuellement ont un sens particulier et vous allez justement voir ce sens, voir ces messages pour ce mois de septembre. Donc voilà les amis, je vous souhaite un magnifique mois à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.